arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Yep, le petit pote, c'est vrai que nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour faire le tour mondial, les gars. Pour ce tour mondial, les gars, j'ai décidé, sur mon gros compte, m'en battre les couilles et de tenter des decks. Donc là, pour ce premier épisode, on va commencer avec ce petit deck méga chevalier, double bâtiment, sans spawner, là, qui m'a fait putain câble. Et puis on verra pour la prochaine fois, les gars. Avant que la vidéo commence, les gars, n'hésite pas à s'abonner, à lâcher le petit pouce bleu et à noter ma miniature, les gars, en commentaire. Et ça me fait plaisir, voilà, on va directement partir dans cette première game. J'espère qu'on va faire de défaite, évidemment. Hop, c'est parti. Alors là, on commence déjà bien, on a la petite cabane, ça c'est cool. Ok, bon, il a l'air de jouer du spawner aussi. Je pense qu'on va mettre une machine. On va détruire cette fournaise. Pas de problème. Hein. Ok, ouais, alors je pense que c'est un machine à moi en vrai. Alors juste moi, j'ai ma mine, lui, il a un Newbies, quoi. Super. Ça va être relou. Voyons voir ce qu'il a. Ok, les gars. Ok, c'est pas du tout un match miroir. Très très bien. J'espère que l'esprit saute pas. Oh, quoi? Oh, quoi? Ok. Ça me va. Donc, une caméra vite par contre. Ouais, il y a juste un ami qui se protéger et puis se défendre la tour. Ça, c'est pas dégueulasse. Là, on est plutôt bueno. Là, je pense, je vais me réinstaller, ça va être bien chiant pour lui, parce qu'il a, déjà tout ça à défendre à côté, et il y aura une cabane de l'autre côté qui va casser les couilles, on va aller prendre la tour. Hein. C'est quasiment sûr, il a trop forcé le frérot, il a vu une amie, il a roulé le cimetière comme un bouffon. Donc ça, c'est cool. On va aller mettre une deuxième cabane, puisqu'il doit quand même défendre. Elle fait déjà? Non, elle doit pas déjà rafi quand même, si. Un terme comme ça, grave, genre. Ok, bon, première win, hein, on a, il a mal joué, hein, c'est pas nous qui avons aussi bien joué que ça, il a juste très très mal joué. Bon, tant mieux, ça nous arrange, hein, ça nous c'est une défaite bête. Ok, bon, nickel, on assure cette première victoire contre El Bichot, il a fait de la merde. Donc c'est un peu le kit, mais sur un niveau 13 dès le départ, bon après moi, franchement, moi, je m'en branle, tu vois, mais... Oh, pour ça, il était pas... Le mec est niveau 13, il a 4800, c'est possible ça? Vraiment, le mec n'a... Ok, c'est une heure quand je pense qu'il joue juste pas. C'est son dernier, il a fait... il a jamais joué en ladder, en fait. Je pense qu'il vient de reprendre le jeu, à mon avis. Bref. Allez, c'est parti pour cette deuxième game contre Deadpitch. Ok, voilà, c'est bien. Alors, en général, on préfère mettre la cabane de Goblin ici, parce que c'est mieux. Ah. Ok, très bien. Ok. Ah ouais, le mec n'a pas le time, d'accord, très bien. Dis-moi, messieurs. Là, c'est qu'il y aura toujours un gobelin qui va sortir, donc c'est pas mal. Wesh, le frérot, là, il peut s'arrêter de spam 2 secondes, là, ou ça se passe comment, là? On est où, là? Ok, bon. Là, je suis pas bien. Arkik, je sais pas si j'ai un bon chef. Dis-moi pour la petite notification. Bon, je pense qu'on va se réinstaller en fournaise, ouais, voilà, c'est ça, on se réinstalle en fournaise tranquillement. On va mettre un bon gros méga chevalier au pont, hop, comme ceci, ah. Ça, c'est pour problème. Bon, ça, il y a un peu con, il a mis le M, le chevalier sur la Tesla. Bon, j'ai genre pas perdre la tour, là, quand même, si. Et Bouddha, ça va pas perdre la tour. MK qui a sauté, qui a one shot les archers, ok, il joue. Et en fait, il joue bizarrement, genre. Ouais. Moi, je vais essayer de gratter les archers, puisque je suis pas bien. Comment c'est un good game? Ouais, j'ai pas laissé gratter tant. On a notre charrette, hein. Ok, boule de feu, ça c'est tant mieux. Il y a une esquive à bûche, ouais, il bûche très très bien, ça nous fait gagner en addiction, donc c'est pas mal. Voilà, on a la charrette là. On a le fût, on a la charrette là, on a ce qu'on a, une bonne rotation en vrai. Là, faut plus prendre un dégât par contre. Il a plus de boule de feu, donc ce qu'on peut limite faire, c'est partir en mamie. Oh, Arkix Def. Ok, attends. Ici, ça touche ou pas? Pas. Ok, je pense en partir avec un gros push.
trop bien. Trop con. Ok, du coup, on a une bonne balle de boule de feu, donc on va les boules de feu. Quoi, les boules de feu MK là, vraiment yeah. Ok, il veut remettre un Arc-X, nous on va spam. Je vous le dis, on va spam. Spam, on va. Donc, là, en fait, c'est vrai que le comment ça s'appelle, Arc-X meurt. Ça m'arrangerait beaucoup, j'avoue. En fait, j'ai juste peur qu'il boule de cycle comme un gros, comme un conculé. Oh bah. Tant mieux qu'il fasse ça, là on peut MK au fond de map tranquillement. Là on va commencer à faire chier là. Ok, là il a dit 9h, ça met de la Tesla trop tôt. Il a parti de pas mal de boules de feu, ça fait 172. C'est ça. On va aller mettre la machine, on va aller évidemment boule de feu dès que la Tesla sort. Voilà, oh, on a les archers en plus, alors ça c'est une bonne boule de feu, bien value ça. Ok. Là, il a la boule de feu, maintenant qu'il a plus de boule de feu, la charrette qui connecte. Ça c'est pas mal. Ah ça c'est pas mal. Là on commence à avoir un truc là. Là on commence à bien le faire chier avec nos cabanes. Et là on prend la win. Ok. Cette game, ne passez pas loin de la catastrophe. J'ai pas vu mytho les gars, on est vraiment pas loin de la catastrophe. Ouais, d'une grosse défaite là. Ça m'aurait bien fait chier quand même de perdre une victoire quand même. Ouais, il joue bizarrement en fait. Il spammait comme un bouffon en fait. Ok, troisième game contre Fantastique. Ok, bon, ouais, je pense qu'on est sur ce play, hein. Mis un truc à faire en tous les cas dès qu'on a 10 évidemment. Quand on la met bien haute au cas où. Au cas où il y a un cochon de ce côté. Je vais aller mettre mon zizicoptère. On détruit vite la princesse. Ok, tant mieux, il rate le placement. Ça c'est de Gucci. C'est du lockbait, très bien. On va aller mamie. On défend ce chevalier. Nickel, esprit qui va aller. Nickel, parfait. Nickel. Ok, la mamie ne meurt pas. Ah, c'est bon. C'est bon. Moi aussi je suis SI Rocket, donc on va pas Rocket. Donc on va nous faire recycler notre cabane. Hop, petite cabane de gobelin. On est bien évidemment boule de feu. Hein. Hop, parfait. Oh là, le mec, il faut backer au bâtiment, parce que si je monte dans le bâtiment, il va forcément. Bon, il y a forcément Rocket qui en met ça, la charrette qui va permettre de défendre correctement et de faire un petit contre-poche sympathique. Et bien, dis-moi, remettre une fournaise, on a assez pour simuler un feu gobelin. On va quand même prendre des coups, hein. C'est pas dramatique. Qui met l'esprit, c'est bien joué. Ok. Enfin, l'esprit qui fait plaisir. Hein. L'esprit qui fait plaisir. Un petit peu et j'ai mamie, hein. Je pense que je vais pas me faire chier à mettre un zizicoptère, on va juste mettre une mamie sorcière. Hop, tac. Nickel. Il met une petite bûche, je peux prendre trop cher, c'est de jouer. Pour l'instant c'est plus de la full tempo, ok là il la met derrière, on l'a vu. Hein. Hop. Mode Nanka, bien chiant pour lui d'être le méga chevalier. Ah non, quoi qu'il y a peut-être une T2. J'espère tout faire qu'il ait une Tesla et pas une T2. Pour ça évidemment, bon, du coup, on va partir en cabane. J'ai raté le poisson de cabane, j'ai mis l'autre côté, c'est pas grave. Là, je vous avoue, je sais pas trop. Bah, nickel, donne une value de mettre ça, tant mieux. Hop, parfait. Je pense qu'on va mettre non, on va pas mettre une cabane, on va pas faire. On va les boules d'œuf, la princesse. Là pour l'instant je joue pas sur Mike ce deck, hein. Faut être très très patient. Ok, là il le met bien. Ah, il met ce côté, merde. Ok, c'est pas grave, on met une fournaise. Là on met le zizicoptère assez tôt, là il y a quand même de troupes. Ouais, le chevalier qui va servir de défense. Elle est bien évidemment boule de feu cette princesse. Hein. Casse les couilles évidemment. Il met une chebu, on est prêt. Si, ouais, nickel. Il envoie ça, très bien. Hop, qu'on fait comme ça. Je pense qu'on va aller mettre une cabane ici, ça va le faire chier. Ok, méga cheveux. Ok, oula. Au pont carrément. Ok. Saute. Merci, bro. On va d'une fournaise, comme ça on va détruire sa T2 en même temps. Là, en fait, il doit descendre de deux côtés, c'est chiant pour lui. Là, pour l'instant, je gère bien la game. Ok, Rocket, ça c'est cool. On peut mettre charrette fond de map. Mettre une petite charrettasse. Très bien. On va aller mettre un zizicoptère. Et on va aller mettre un K.O. pour, évidemment. J'hésite pas, ouais, non. On va d'abord défendre.
Là je vais donner le MK1, je prends trop cher, le méga, le chevalier a trop de vie. Et roquette. Oh, c'est pas mal, là on peut, du coup on peut mettre les full pression. Du côté droit bien évidemment, l'esprit qui va les connecter, ça c'est cool. Ça c'est vraiment Gucci. Là ma cabane qui le fait vraiment chier genre. Les gobelins qui grattent vraiment bien, on va les mettre une machine ici pour détruire ça. Là on va les mettre juste une charrette, hein. On va pas les mettre de... comment ça s'appelle? De fuel, on va bien garder pour le fuel gobelin. Alors ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal, c'est à dire qu'on peut partir en méga chevalier fond map. Il a plus de T2 du coup. On a bien évidemment le fuel. Je pense que je vais aller fondre de l'autre côté, comme ça moi s'il met un fuel à gobelin, ça va défendre. Ok, allez on met ça, bon l'esprit qui allait que ça était bon. Ok, mais une T2, très bien, on va les boules de feu ça. Hein. La boule d'œuf qui devrait faire le taf, ouais nickel qui fait le taf. On va les mettre un deuxième méga chevalier. Et là je pense qu'on va les prendre cette une pour le lockbait, ça ça fait plaisir. Ça c'est cool, on a très très bien joué le game, j'ai été patient, j'ai bien entendu le bon moment pour directement attaquer. Ça c'est Gucci, là j'ai bien joué. Ok nickel, bon je pense pas qu'il était, ouais, il était pas mauvais, ouais, il a juste... Oh quand même, il a quand même 6000 là hein. En vrai c'est pas dégueu hein. C'est pas un mauvais joueur quoi, c'est pas un bon joueur, c'est pas un mauvais joueur non plus. Ok attention, elle met la Pélas 23. Allez c'est parti, on va y mettre notre cabane ici tranquillement. Je crois pas qu'il faut un luminaire, les gobelins vont s'en occuper. Mais en fait avec ce deck il faut vraiment tempo. Ça se joue en général en temps extra ou... Ouais, ok, très bien. Molosse, bon il joue comme un bouffon, donc ça devrait normalement être tri win. Après c'est un match complexe, donc bon... Faire gaffe quoi. Ok, j'ai mis une charrette fond de map, tranquillement. Les gobelins qui vont bien m'aider à hein, détruire le... comment ça s'appelle... le moment. Là j'ai limite envie de méga chevalier au pont, ça va vraiment le faire chier, il a plus d'élixir, enfin plus beaucoup du moins, je pense. Ouais le MK qui va sauter là. Les gars je vous le dis ça part là. Là on va être bien évidemment boule de feu ce bomber. Là le MK qui va normalement les mettre très cher sur le tour. Ouais, bon, la tour à la 100 HP c'est win. Hein. Là faut juste plus failler, faut pas failler mes défenses, c'est tout. Et... Là je prends mon temps, je défends bien. Et je fais pas le con, ça devrait être free win normalement, si faut juste, ouais, faut juste bien jouer, c'est tout. Donc, l'esprit sautera non fût, voilà, nickel, comme ceci, voilà, nickel, ça c'est bien chiant pour lui, on va aller mettre bien évidemment une manie pour faire spawn des cochons. Allez, prendre cette tour. Oh, bouffon ce mec, hein. Ok, ça c'est cool, le cochon qui va aller prendre la tour. On a juste la boule de feu en dégâts direct. Bon, on n'a pas de petit sort. Je pense que la seule tour qui peut vraiment poser problème, c'est son DDE. Sachant qu'il a des flèches pour détruire ma Akaman. Non, qu'est-ce que je fais? Non, bah non, du coup. Yes, mais non. Ok, on met les spawners tranquillement. On se presse pas encore une fois. On attend. Voilà, j'ai mis une charrette au fond pour mettre pression. Pour qu'il puisse mettre un truc de push. D'où s'il a un ballon, faut que je fasse gaffe. Ok, bon, là il met son mineur beaucoup trop tôt. Oui, je sais pas s'il faut avec son mineur, mais. Bon, il laisse de ce côté, ça c'est plutôt Gucci. J'ai mis une cabane de l'autre côté, bien évidemment. Là, la mamie qui va juste aller faire le taf s'il défend pas plus. Ok, il met quelque chose d'autre. C'est vrai que le N, ce serait bien qu'il meure. Là, on va lui mettre une bonne boule de feu. Comme ça. La bonne boule de feu là. On va prendre 0 coup de ballon. On va aller reprendre la tour, ça c'est pas dégueulasse. On va la mettre une fournaise, bien évidemment. Ok, ça c'est bien fait de sa part. On va aller mettre une charrette pour aller tanker. Et je pense qu'on va aller prendre la win. Hein. Je vois mal comment on peut faire de la game. Ok, ça fait plaisir. Là, on a beaucoup de bâtiments sur le terrain. Il peut absolument pas passer. Là, on a pris le temps. On a bien défendu comme il faut. Bon, après, il a un peu joué comme un bouchon. J'avoue que c'était pas un bon. Lui, je pense qu'il a pas plus que 5000 trophées. Bon, je pense qu'il n'est même pas encore 5000 trophées. Ok, voilà. Regardez son profil tout de suite. Pour voir. Quoi, il a 5600 lui? Ok. Alors il a vraiment joué Molosse comme un gros bouffon parce que bon, ok. On a titré les gars et on va partir sur cette dernière game de la vidéo les gars contre Abusti. Ok. On va aller mettre notre fournaise tranquillement. Hop, on s'installe.
Le deck faut s'installer, hein, c'est le plus important. Donner des spawners. Le spawner, c'est ce qui met les dégâts. On n'a pas une condition dans le deck, c'est les une condition, c'est les spawners. On va les mettre une mamie hein, pour aller cycler sur la cabane. J'espère que la cabane ne va pas mourir, ça serait cool. Ok, food. Tant mieux, bon, ok, on peut les mettre notre Goblin Hut. C'est sûrement du géant électro, je pense. Ouais, c'est du géant électro, ça c'est sûr. Ok, bon, du coup, c'est glitchy ça. Bah, les gobelins qui vont bien arrêter le Dark Prince, hein, ça c'est plutôt Gucci, on va les... je pense... Ok, nickel, parfait. Je vais mettre... je pense que je vais cycler une charrette. Oh bah nickel. Mimi qui peut poser problème, hein, dans ce match-up. Faut que je fasse attention à ce que je fais, c'est tout. J'avoue, je pense que je vais mettre un petit point en pression. Je vais mettre une fournaise. Ah mais c'est que putain je suis con, il a un D2. Oh non, j'aurais jamais dû faire ça. Oh l'erreur de débutant là. Ça va coûter cher ça, je le sens. Oh non, le D2. Unlucky là. Unlucky le D2, un HP là qui détruit et tout. Ouais, là c'est de la sauce, on n'a pas de DPS pour le géant électro, on a juste seulement deux bâtiments et il a une food. Bon, par contre t'as foiré, quand c'est une cassée écoute, t'as vanille là. Bien écarté pour la foudre, on va bien attendre qu'on les 10 hein, au cas où il nous part en jeu électro opposé. Et pour l'instant il full def, ça c'est plutôt pas mal. Je préfère qu'il full def. Nickel, parfait, ça c'est le barbare, parfait. La défense est bien faite. Ma fournaise et ma cabane qui fait vraiment chier. Bon là je pense qu'il va partir en jeu électro fond de ma peau. J'attends. On va aller mettre une mamie tranquillement pour s'installer. Là on met tout fond de map hein, pour l'instant. Ok, pas en jeu trop, on va lui mettre une petite fournaise. Je pense qu'on lui donner une value de mettre une foudre avec mon canon. Comme ça va faire un bâtiment en plus. Voilà, nickel. Ah mais du coup, non. C'est pas nickel. Non. Du coup on va mettre une goblin head, c'est bon. Ah ça, ça va être chiant. Ça va être super chiant la mamie. Ok, pour l'instant c'est la défense est clean de ouf genre. Ça c'est pas mal qu'ils mettent par contre le... comment ça s'appelle. Ah ça, ça va être chiant ça. C'est vraiment chiant là, la mamie. C'est pas un match-up facile, hein, j'en ai trop, je vous préviens. C'est vraiment pas un match-up facile. Il a absolument tout pour défendre, et moi j'ai pas grand-chose pour défendre ce qu'il a. On va lui mettre une machine, on va garder notre cabane au cas où il nous sort une food. On va bien évidemment les boules de feu, cette mamie sorcière. Hein. Nous, qui nous embête. Ok, là on peut aller mettre un Mega Knight. Ah mais je suis con, il a un D2, j'habille. À chaque fois j'oublie qu'ils sont D2, c'est vrai que le MK saute et qu'il esquive le... Ah nickel. Ça peut être pas mal, on va la mettre une fournaise du coup. Bien évidemment elle est un fuir barbare. Hein. Ma machine qui fait vraiment chier depuis tout à l'heure. Ok, on va la mettre une goblin encore. Une cage. Oh, les hélicoptères qui connectent. Ah ça n'est bien, les hélicoptères qui connectent, ça fait plaisir ça. Ça c'est des news qui donnent le smile ça. Je pense, en vrai, j'attends de voir s'il met une mamie. Non, je voyage machine. Hein. Ok, mais la mamie, on va les boules de feu vite avant que. Nickel, parfait. Là, faut juste pas faire le con. Là, faut juste bien défendre. Là, on a juste à bien défendre. Oh, les games sont tendus quand même. Hein. Les games sont vraiment tendus. On va leur mettre une cabane. Hein. Les cabanes qui fait vraiment chier parce qu'il est obligé de tout le temps de défendre en fait, en constant. Ok, là il met son jeu électro, donc là on va aller mettre notre canon ici. Il va sûrement les food, ça c'est tant mieux s'il food. Non, pas encore, hein. C'est pas de soucis. Le seul problème là, c'est ce qui me fait chier, c'est son D2. J'ai oublié de boule de feu son D2. Ok, le D2 qui meurt, ça c'est Gucci, on va aller mettre une cabane. Hein. On a juste à pas faire le con les gars, on a juste à pas faire le con. Vous entendez, c'est... on a juste à pas faire le con, c'est tout. Ok, là on va aller bien évidemment être un fuit à barbare pour détruire ce bomber. Ah, ce bomber qui a pas envie de mourir, très bien. Ah, alors ça c'est vraiment problématique ça. On va mettre le MK tout de suite pour détruire la mamie. On va aller mettre notre canon, comme ça s'il fout, ça donne de la value. Ok, ça fait un bâtiment en plus, on va les boules de feu, la tour. On va aller mettre une cabane panique, hein, totalement panique. On va prendre de dégâts et on va aller prendre cette win. Cette game était en vue, je vous avoue les gars, c'est là j'ai du pas, j'ai pas dû trop parler parce que je devais vraiment tryhard pour pas prendre de dégâts. Voilà, ça se joue à 200 HP, hein. Ça se joue
à une fouserie de tornade, je pense. On va regarder les dégâts tout de suite. Hein. Hop, on va aller prendre juste les 2500 d'or qui font plaisir. La tornade qui fait combien? Elle fait 48 et la foudre. Ouais, ça finissait. Hein. Tornade foudre, il avait une tornade. Hein. Ouais, tornade foudre, ça finissait, les gars. Donc, ça fait plaisir, on a fait un full mix sur cet épisode. J'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. N'hésitez pas à commenter. Hashtag IGN. Et puis voilà, c'était Bricou, les gars. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.